Ouais, bonjour ton tube. On est enfin avec Shinai. Bonjour Shinai. Voilà. Bonjour Shinai, Shinai le chinois. Alors Shinai va vous expliquer comment fonctionne ce jeu putassier possible sur qui débloque quoi. Alors, clic gauche, clic droit. Voilà, c'est fini. Non mais connard, mais le mec il fait chier, il m'explique des trucs en off, en fait il attend pas, tu vois, comme quoi tu devrais plus souvent fermer ta gueule. En gros, toutes les quêtes que l'on va faire, comme c'est ton monde, c'est exactement ton monde. Mon monde est différent du tien parce que chaque monde est généré aléatoirement. Et du coup, si vous faites de la coop, sans être en écran splitté, dans son monde, toutes les quêtes validées seront dans son monde. Voilà. Voilà, voilà. Mais tout le stuff qui sera récupéré, que je récupérerai, j'en aurai aussi. Et apparemment, le loot est unique, donc il faudra faire des concessions. Ok. Et la difficulté est augmentée quand il y a un joueur supplémentaire. Passage. Ok. Enfin, tout ça pour dire sur la phrase de départ, le deuxième joueur ne débloque rien. Voilà. Pas de succès, que dalle. Là, t'as pris la bardiche. Non, c'est pas vrai, elle a des pops sous mon nez. Oui, oui. J'ai de la prendre, je suis resté appuyé sur Y, je l'ai pas vu, elle a des pops. Je peux récolter du bois? Oui. Allez. Et tu récoltes plus efficacement, je crois, quand tu as une hachette. Mais c'est pas énorme, c'est pas un truc qui s'équipe, genre. C'est quoi? Je sais pas, je pensais qu'il faut genre l'équiper en fait pour récolter plus, non? C'est comment? Ouais, bah regarde, tu mets là. Ah, avec des grosses zones invisibles. Tu vends? Hop. Tu dis de la merde? Ah non, même pas du tout. Osef, ok, bah tu récoltes comme ça à la fin. Oh, c'est juste une arme quoi. Mes poches sont surchargées, ça y est. Yes, ça commence bien. Ah bah oui, moi je suis un vrai hein. Moi je suis un vrai hein, j'ai pas commencé à jouer, je suis déjà en surcharge mec hein. C'est la règle hein. Aussi, évite de trop courir parce que ça entame ton maximum d'endurance. Ah. Au passage. Ouais. Je bien fais quoi. Si tu fais si tu ouvres ta feuille personnelle de perso. Comment je fais ça? Tu verras que, moi j'appuie sur I, donc toi j'imagine. Ouais, bon, j'ai trouvé à peu près. Et tu as dans ton statut ta vie actuelle et ta vie max en fait. Ton mana et compagnie. La jauge de nourriture, la jauge de sommeil, la jauge de boisson, la jauge de température, et puis c'est tout déjà. Ok. C'est pas mal. À consulter assez régulièrement. En fait, c'est un RPG, mais en mode survie. Tu veux une fourche? Non c'est bon, j'ai une hache. Mais d'ailleurs c'est chelou parce que t'as une hache toi aussi. Moi j'ai une petite hachette. Ah t'as eu la hachette, d'accord, moi j'ai eu la grosse quoi. Ok. Ouais, sac surchargé. Ah. Bienvenue dans mon monde. Ouais, mais on va aller vendre 2-3 trucs. Ouais bah c'est pour ça que je suis en train de ramasser encore des trucs et des machins. Bah alors du coup ce que je comprends pas. Enfin, un truc qui me paraît un peu obscur, c'est que du coup, si c'est moi qui débloque tout, bah par exemple, ça serait pas à moi de tout vendre et de garder le pognon pour débloquer les 150 balles? Ou il faut qu'on débloque 300 balles à deux? Non, non, c'est toi qui dois débloquer les 150 balles, c'est toi qui fais avancer la quête. Ouais, super, hein, c'est encore moi qui me retrouve dans la sauce, quoi. Bah, c'est toi le héros du groupe. Ah, super, j'ai pas voté pour ça, moi je voulais être le seigneur noir du groupe. Ah, tu peux être le seigneur noir. On peut tous les buter, au bout d'un moment, je pense. Après, j'ai autant d'heures de jeu que toi, je pense. Hein. Je peux pas pénétrer de manière illégale chez les gens, non. Non, on n'est pas dans Zelda. Non, on est bien éduqué, quoi. Ah bah oui, c'est un jeu fait par des potiers. Hein. Ah ouais. Là, ce jeu-là est potier. Ça a l'air d'être un marchand, ça. Y a moyen de te micrave un truc ou... Ouais. Parlez au commerçant Dolan. Avez-vous besoin de quelque chose? Ouais, j'aimerais acheter des trucs. Voilà. Alors... Tu vends des trucs. Ah, il vend des trucs, hein. Vraiment. Ouais. Genre, ça a l'air intéressant. Ah, ouais, il est carrément occupé. Ok, d'accord. Je sais. Même pas lui parler en plus. Ah, ouais, t'as pas le droit de lui parler et tout. Non, bah, je vais parler au forgeron pour vendre des armes. Je sens qu'il va nous falloir un chaudron. Mais j'ai pas envie d'acheter des trucs alors qu'on risque peut-être de nous les filer, tu vois ce que je veux dire? J'en ai un de chaudron. T'en as un de chaudron? Ouais, j'en ai trouvé un. Ok. Je vais lui vendre une loupiote, une lanterne, parce que j'en ai trop. Ok. Je vais lui vendre une botte en lock.
ce qui est dans mes poches aussi. Des scarabées ocre épicé. Parce que c'est frère. Ouais, achète des allées. 14 pièces. Je sais pas si ça t'intéresse. Mais en fait, j'espère que je gagne des thunes. Ok. Je suis pas sûr qu'il y ait tout mon inventaire là. Mais j'ai envie de lui acheter ces trois bouts de tissu nuls parce que je sens qu'il va falloir faire des bandages. Je sens que ce sera pas un luxe. Ouais, je veux vraiment quitter. Bon, alors j'ai toujours les poches surchargées parce qu'il a décidé. Ah oui, d'accord, non mais super. Attends, j'ai pas compris. T'es pas intéressé par des torches, toi, monsieur ? Non, mais en fait, le jeu par défaut il m'a tout collé dans mes poches. Espèce de con. La bah, botte oui. Primitive ça vaut rien, hein. Le mec il veut pas acheter quoi, donc je vais m'habiller comme un loqueteux, comme un vieux pourri pour essayer de lui vendre des trucs. Je vais prendre le bâton, voilà. Vraiment m'habiller comme un gros pourri. Alors attends, non c'est pas utilisé, je peux le déplacer. Je le déplace dans le sac. Là j'ai de quoi acheter soit des barbiches, des grands marteaux, des trucs assez intéressants. Mais j'ai bien envie d'acheter la lance de fer. Parce que je me dis que la lance c'est très très fort. T'en penses pas? Oh bah je te dirais écoute ton coach. Après je te dirais si on se débrouille bien, on rembourse les 150 balles vite fait et on en parle plus. Ouais ouais, 150 balles mais sérieux quoi. Bah je sais pas, 150 balles, moi je suis que 30 balles là mec, hein. Je suis en train de faire le fond de mes poches. En fait, chaque... Là à l'heure actuelle j'ai 45 balles, mais chaque... Putain je vais y arriver. Chaque marchand n'achète que ce qui l'intéresse. Ah ouais, ok, bah écoute... Et quand tu leur fais parler, ils te donnent des quêtes. Par exemple, lui je crois qu'il me donne une quête sur un livre de compte. Après je sais plus, je vais juste parler de compte. Avez-vous besoin de quelque chose? Voilà. Ah oui, quand tu parles à quelqu'un, je pouvez-vous m'aider? Bientôt, j'ai ce livre de compte. Ouais, il faudrait amener au magasin. Ok, excellent. Super, c'est noté. Et de la gestion d'équipement. Lorsque cela s'avère nécessaire, et ce n'est pas savoir utiliser votre environnement, est la clé. La survie. Je crois que j'en avais trouvé quelque part. Mais t'inquiète, hein. Je sais pas, y a pas d'urgence immédiate. Hein. Attends, j'ai vu un truc briller là. As-tu vu du loot? J'en ai. J'ai trouvé du loot. Mais attends, du coup, faut que je parle à forgeur de boulons là. Mais alors, solo. Que puis-je faire pour vous? J'ai un sac de couchage, un chapeau de paille et une dague improvisée. Je prends tout. Que puis-je faire pour vous? Regarde là, qu'est-ce que j'ai tout pris. Merci. Il a pas de quête le forgeron? Bah peut-être pas, tout le monde n'a pas forcément une quête. Bah yes, non merci quoi. Que puis-je faire pour vous? Je suis content d'avoir trouvé un chaudron quand même. Ça a l'air utile. Faudrait trouver une gourde. Ok. Pour pouvoir sortir, il faut une gourde. Ça s'achète. Ouais. Ben, on va peut-être même en acheter deux, s'il y a possibilité. Je crois que c'est lui qu'on vendait là. Ça a l'air d'être le marchand général. Avez-vous besoin de quelque chose? Tu vendais pas des gourdasses, toi, ma grosse gourdasse? Ah non. Je vendais le reste, okay. Mais pas ça. Eh, mais t'es trop flash, toi! Oh, le mec est trop blindé. J'ai même trouvé une dague improvisée. Moi, je suis en train de me ruiner pour essayer d'avoir 150 balles avant même de sortir du village, et l'autre il est en train de tout claquer comme... Non, j'ai rien, j'ai juste trouvé. Lui, ça a l'air d'être un mec... Voilà le plan. Hey, écoutez. Les choses que tu veux acheter, ouais, j'ai des thés, des trucs, des machins... Ah, tiens, vas-y, achète deux algues. Confirme. J'ai fait du pognon, j'ai gagné 2$. Je suis un monstre. Je commence à voir toi. Bah chaise, t'apprendras à courir partout comme un débilus. Le mec il me dit ouais, faut pas courir, machin. Ah, j'ai trouvé une hachette aussi. Que je vais aller vendre tout de suite, hein, parce qu'il y a du fric à faire. Que désirez-vous?
Tiens, je te vends ma hachette, bro. Voilà ce que je désire. Oh, le mec qui vend des trucs, ça a l'air compliqué. Je vais aller voir là-bas, ça a l'air de faire de la fumée. Je reviens. Et du coup, tu récoltes pas, quoi. Ok, je récolte. Non, c'est ton monde, je te laisse. Ouais, y'a des chocobos. Oh, mec. Y'a des chocobos. Y'a des chocobos. On joue à Final Fantasy, en fait. Il y a des... Il m'entend pas. Chocobo. La générosité incarnée. Chocobo. Je m'excuse de ne pas apporter de meilleurs poulets. Quelqu'un m'a dit. Attendant. Bonne chance. À vrai dire, n'oubliez pas. Oh. Vous n'êtes pas qu'un simple maillon de la chaîne. Une petite machette. J'ai trouvé une machette. Et oui, j'ai entendu des chocobos, mais Il me faut un harpon de pêcheur là. Sinon, je vais péter un plomb. Comment ça, t'as un harpon de pêcheur? Je suis dégoûté. Ce mec a tout claqué, il a tout acheté. Pigeon. Non, j'ai tout trouvé dans des poubelles. T'es sérieux? Ouais. Oh, le mec, il m'égare. Ah, j'ai trouvé une gourde. Oh, trop bien. Bah, GG, en fait. Le mec, il a déjà tout dépouillé de base. Et en plus, maintenant, il me poursuit pour piquer le reste, quoi. Vraiment. Bah, attends, c'est un bouclier, ça? Je peux pas chourer le bouclier? Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Ouais, bon, je suis dégoûté. J'ai bien fait d'aller là. Tiens, regarde, on a un d'art, c'est cher. Ah ouais, nice. Nice. En vrai, là. Tiens, regarde, simple. Ça y est, j'ai le succès du pêcheur. Et le pêcheur. Je m'a dit, est-ce que ce monde est sérieux? Non, mais là, c'est compliqué. Voilà. Parce que, tu veux, quand t'arrives pas à monter une marche, parce qu'une concept de design, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre un petit saut quand même dans les jeux. Là, c'est... Oui, je suis d'accord. Parce que là, t'es pas sur le bon côté de la planche en bois, tu passes pas. C'est... Ah, mais oui, on peut vraiment pas aller dans l'eau en plus. Ah ouais. Non, non, on peut vraiment pas aller dans l'eau, on est incapable de nager. Après, ça me dérange pas. Ok, on dit que l'eau c'est le rebord, mais. Je sens que les petits soucis de collision, il va y en avoir quelques-uns. Il y a des chances. Oh, des paillissons! Des paillissons, des paillissons! On va être des pêcheurs! Plus. Ouais! Mec, moi je suis refait hein, si on peut pêcher. Mais non! Mais bois pas cette merde, espèce de con! D'ailleurs, t'as un pêcheur. Tiens, je vais aller voir combien souvent le poisson que j'ai vendu. Je t'en dégue en fait. T'as des déchets, de toute façon t'as fait toutes les poubelles, hein. Je peux me balader jusqu'à demain, t'auras tout fait. Hein. Bah, je te fais celle-là, après j'ai rien récolté des autres, je te laisse les trucs. Je sens que tu passion, camarade. À part la gourde que je t'ai chourave, mais. Ouais, ouais. Bien arrivé sous mon nez, paf! Allez hop, t'as plus rien. Eh, le poisson ça vaut 4! Ah ouais? Monster refait, ouais. Attends. J'arrive. Salutations, camarade. Est-ce qu'il y a moyen d'échanger entre nous? Ah non. Alors, moi j'ai des poissons qui valent 2 balles. Le saumon cru ça vaut pas très cher, hein. Mon cru c'est pas tag. Par contre j'ai du sable bleu. Ça a l'air de coûter un bras poudre brillante utilisée par les forgerons afin de créer des armures d'acier bleu. C'est aussi un ingrédient précieux en alchimie. Bon j'ai gagné 2$ mec. Alors tu feras gaffe, je viens de voir, quand tu frappes, ça te consomme de l'enduit, ouais. De l'enduit. Ah si t'avais fait le tuto, hein, plutôt que tout le piquer. Ouais. Vite. Oh yes! T'es dégoûté. Toi, monsieur, as-tu une quête? Là, crois-moi bien, t'es dégoûté. Et le pire, c'est que tu sais pas à quel point. T'as chopé quoi? Un bouclier. Oh! Eh bah, écoute, j'ai déjà une machette, si tu me passes en acier trempé. Ah oui, non, mais garde-le alors. Alors, je peux rentrer dans la réserve de Cerdzo. On attend d'autres joueurs. Ah d'accord, un nu. Attends, j'arrive. On va dans la réserve de Tsertsu, on va voir s'il y a des choses à looter. Ah t'es là, d'accord. Si, oh, parce que c'est... L'homo loot, c'est pas anglais, hein, c'est italiano, c'est looter. Looter. Je veux bien que tu files le poulet par contre, si... PTDR, je vois pas où t'es déjà. Oh
Regarde sur ta... En fait, tu vois la console en haut? Allez, je m'en bats les couilles, j'attends, voilà. Ramène-toi, quoi. Super. Venu, je le déposais par terre, voilà. Moi, je veux bien que tu me donnes tout ton pognon, en fait. Je sais pas si le pognon, je peux le laisser tomber. Non, là, tu jettes des torches, là. Oui, merde. Hop, je les ai récupérées, t'inquiète pas. Si à un moment donné, t'as un doute sur l'éclairage, hein. Tu me demandes, je vais avoir ce qu'il faut, je crois. Ah, si. Regarde. Tout le pognon. Putain, il est blindé en plus, l'enfoiré. S'il a acheté des tas de trucs, mais il est blindé. Non, je les ai tous vendus. Menteur. J'ai rien chopé. Vas-y, je suis là. Le mec, il a full ratissade, quoi. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois? Bon, tu me laisses aller devant. Ouais, parce que moi j'ai qu'un vieux bout de bois tout claqué, oui d'accord. Bah, tu penses qu'il va vraiment se passer des trucs? Parce que là normalement, j'ai envie de dire, on est un peu à la maison là. Ouais, voilà, on prend un silex, péta une lampe torche. D'ailleurs, on peut l'équiper en combat, la ceinture. Ah non, on peut juste pas par contre. Bon bah, je viens de récupérer un. Hein? Un sac de couchage encore. D'accord, c'est top. Disons que ça vaut un peu d'argent. Attends, il y a de la fumée. Oh, c'est quoi ça? Tiens, il y a un tas de déchets. Je te laisse le fouiller. Ouais, il y a une hachette. Cool. Il y a une hachette. Alors, on prend tout. De base, j'aimerais pas rentrer. Je veux pas rentrer là-dedans avec une lanterne ou une fumée. Un truc. Moi aussi, si. J'ai pris une pioche. Et je suis trop lourd, je peux plus me déplacer. pourquoi? Est-ce qu'on peut comparer avec ce que je porte? Ah oui, d'accord, la botte lacée, c'est carrément attends, mieux. Attends, il y a un ennemi. Il y a une espèce de... C'est quoi ce truc? Attends, je remets le bouclier. Mais non. Dépose. Et où? En arrière, en train de déposer des torches. Parce que j'en ai beaucoup trop. Ah oui, en effet. Parce que la pioche, c'est bien, mais ça pèse une tonne. Du coup, je suis un peu bloqué sur place. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais déplacer la thune dans poche. Ah, on y est presque, hein. Mais ah, mais il y a beaucoup trop de bois. Mais non, mais lol. Dépose. Je sais pas, moi, dépose-moi 15 bois. Vas-y, fais plaisir. C'est bon, on a de la place. C'est bon, on a de la place. Pas tant que ça. Ouah, ça fait beaucoup de brumasse, hein. Alors, attends. Je vais... Allez, cours, hein. Ça y est, en speedrun, hein. Julie. Deuxième. Attends, je suis tout prendre. Je peux lui donner un coup de pour mettre à terre. Ah mais ah putain, je me disais pourquoi il veut pas me le. Ok, à terre. Pourquoi il veut pas me le bully ce con? Mais parce que je l'ai pas clic droit. Hop là, j'ai pris ça. C'est ça que je cherche. Non, non, c'est j'ai déjà. Je voulais voir ce que ça donne juste avant. Compare. C'est un poil mieux que la hachette. C'est un poil mieux que la hachette à titre informatif, hein. En vrai, j'ai une machette, c'est assez cool. Oula. Est-ce que tu peux venir avec la lumière, s'il te plaît? Yes. Équipe. Ok. On va où? Gauche, droite. Je suis en méga surcharge, c'est ça? Ouais, je suis en méga surcharge. Il faudrait que je me débarrasse de ce que j'ai auprès d'un marchand, ou près de toi, par exemple, si jamais t'avais les poches vides. Je suis déjà... Alors, les... Je suis déjà en surcharge. Attends, si je mange quelque chose, peut-être que... Ça va me... Non, mais la bouffe, ça pèse presque rien, mec. Ouais. Et avant d'aller plus loin, je crois entrevoir ce qu'on appelle un coffre. Ou c'est juste une boîte. C'est juste une boîte. File-moi 2-3 trucs, si tu veux.
J'ai encore de la place dans mes poches. Non mais attends, sinon je virerai peut-être... Ah oui, non, j'ai quand même beaucoup trop de poids, quoi. Genre ça, vas-y, tu te déposes par terre, c'est de la merde, on s'en fout, c'est du poids, on en trouvera partout. Qu'est-ce que j'ai le bâton, je sais même pas si ça a une valeur. On peut voir la valeur des objets en fait ? Non, on peut pas voir la valeur des objets. Ouais, c'est ça, hein. Regardez, je vois pas. Et je crois que le bâton, les gens voulaient. Enfin, je crois que les gens veulent pas le racheter. Donc, ouais, ils voulaient pas le racheter. Parce que, en fait, c'est un craft que tu peux faire. Ah, ok. Les bottes en lock aussi, je crois qu'ils les rachètent pas. Donc ça, on va les équiper parce que bon, tant pis, on va s'équiper avec de la merde. Ah, mais attends, sinon, en fait, je suis désolé pour la lumière, hein. Je me rééquipe comme ça et on peut bouger, hein. Ok. Voilà. Bah alors, je vais peut-être prendre la lumière à la place de moi. Ah, tu vas voir, tu vas prendre du poids, hein. Alors, attends. Je voudrais juste voir... On y voit super bien, hein. Je veux pas dire, mais... Alors, j'ai assigné ma torche en raccourci. Assigner un raccourci. Est-ce que c'est concluant? Ok. Attends, je meurs vraiment trop de soif. Ah oui, mais j'ai pas de gourde. Bon, bah vas-y, on continue. Ah oui, mais attends, j'ai peut-être pas de gourde, mais je crois que j'ai un thé. Tiens. Confiture à la gourde. Elle est en bas. Elle est par terre. On retrouve une deuxième gourdasse. Hein. Ah. Je récolte des champignons communs. Ah, un scarabée, ocre. Cool. Où es-tu? Ah tiens. Putain, je te refais le tagourde, hein, parce que sinon je suis trop lourd. De toute façon, hop. Venu. Dépose-moi ça. Voilà. Merci, monsieur. De rien. À gauche, c'est déjà fait. On va aller à droite. Ouais. Un aventurier ne va jamais tout droit. Exactement, parce qu'il sait que c'est la suite. Bon, bah, on a fait demi-tour. C'était bien. Ça a l'air d'être éclairé. Il se dit des choses sur ce panneau. Lire. Danger. Si vous avancez, vous serez coincé. Dehors, vous devrez revenir au village à la marche. Ah. Donc ça, c'est pour se quitter le village en mode blousé si on veut pas nous laisser sortir. Ça doit être ça, ouais. Ok. Bon, on va pas sortir comme ça. Nous, on est des mecs réglo. On est à la cool. On a déjà quasiment 150 balles. On a même dû abandonner du stuff par terre. Hop. Le seul endroit qu'on n'avait pas, qu'on n'ait pas fait, ouais, bah écoute, on peut revenir en arrière. On est bien. On va pouvoir aller vendre ces merdes. Ouais, bah on n'a pas fait le reste du dépôt, je crois. Hein. Il reste encore quelques trucs. Ouais. Bah, attends, j'arrive. Est-ce qu'il reste encore quelques machins table. Ouais, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Il y avait juste la confiture de gambet en recette. Que je vais m'empresser d'apprendre. Comme ça, tu l'auras pas. Chez. Oh, j'irai la chercher dans mon. On peut pas craft. Y a pas un menu de craft à partir de là? Si, il est là. Hein. Ok. Vas-y, je voudrais fabriquer des bandages. J'ai deux tissus. Je fabrique des rations de voyage. Des rations de voyage. Il faut du sel, je sais pas si. Ah, j'aurais peut-être pu nous faire un feu de camp aussi avec tout le bois. Ouais, on reprendra du bois sur un bout de bois. Ouais, ouais. C'est pas ce qui manquera. Allez, go. Ouais. Attends, je vais juste enlever. On t'attend là, YouTube t'attend, hein. Tu casses les couilles à YouTube, YouTube a dit. Là, je reçois des messages de haine en direct. Hein. Comment ça, j'ai soif? Il m'emmerde ce jeu. Parce que t'as pas bu de rhum? Bah, je sais pas, mais ouais, ça a l'air. Va falloir vite te trouver une gourde, comme ça on va pouvoir te sortir. Et en vrai, la pioche, je te dirais de la garder. Bah oui, la pioche, je vais la garder, évidemment. La pioche, faudrait la garder pour choper du minerai, mais peut-être augmenter. Si on doit faire un achat, investir dans quelque chose là, ce serait peut-être un sac plus grand. De quoi? Un sac plus grand? Ouais.
je pense que ce serait pas... Après, je sais pas si c'est la taille du sac qui fait ce que tu peux transporter, ou ton endu, ou un mélange des deux, je sais pas. Je sais pas trop comment est conçu le jeu. Puis-je vous venir en aide? J'aimerais parler. Pouvez-vous m'aider? Oui, je peux t'aider. Je voudrais acheter quelque chose. En fait, j'aimerais te vendre des choses. Achète. Prends des bottas. Et puis, tu vois, c'est jamais un mec. Ah, il vend des... ah, c'est lui qui vend des tas de recettes. Lui, il vend des recettes, ah. Hein. Yes, au passage. Je te le dis pas. J'ai aucune recette, moi. Bah, il en vend. Eh ben... le mec qui est en haut. Non, mais le mec qui est en haut, je suis pouté, mec, hein, mais... je suis en train d'aller vendre les... le trident de troglodyte. Que puis-je faire pour vous? Je me demande. En total de 8 balles. Amba. Voilà, non, c'est même facile. Bon, ça a l'air des gens, tu peux te taper, tout ça, ça a l'air chiant. Au possible. Voilà. Moi, je vais monter là-dessus, vite. Vite. China, il a rien vu de toute façon. Il verra jamais rien. Il est même pas au courant de ce qui se passe. Bonsoir. Ça va, ouais. Bon. Toi qui es le chef et le héros. Oh non, putain, je veux pas être un héros. Les héros, ça meurt tout le temps. C'est nul. C'est des débiles. T'es le chef. Toi le chef, chef. Écoute, j'ai 115 balles. Je forcerai bien les 150 boulettes. Comme ça, on paye. En fait, ils ont mort. En fait. Tiens. Un peu plus rapide. Ouais, ouais, ouais. Bon, faut qu'on continue à dépouiller ce village. Est-ce qu'on a fait le tour en fait du bled? En vrai, j'ai pas l'impression. On est allé vers la plage et l'espèce d'usine steampunk là-bas là. Ouais, là-bas c'est la sortie. Faudrait qu'on te trouve. Oh, attends, il y a des belles. Ah ouais. Mais alors, du coup, tout ce qui est craft, genre si on fabrique genre de la confiture ou des trucs comme ça, en fait, les mecs ils te l'achètent pas quoi. C'est ça. Si tu enfin, pulpater. Certains craft. Bah, certains craft ne se... Attends, c'est une auberge. Go. Mec, c'était putain, c'est une auberge, mec. Qu'y a-t-il? On va parler. Les clients disent certaines choses. Qu'y a-t-il? Là, ton auberge vide. En même temps, la ville n'a pas l'air très naturelle. Au plaisir. Ah, une construction un peu trop MMORPG à mon goût, du jeu vidéo, mais... C'est très meporg, hein. Très rigolo. Ok, tu peux pas rentrer là, tu peux pas te choper. Ah oui, c'est normal. Bon, y'a que dalle. Y'a rien. Une énorme auberge pour 3 chambres. C'est super. Mais bon, c'est des chambres de 75 mètres carrés, hein, chacune. Minimum, monsieur. Minimum, évidemment. Bah écoute, pourquoi le jeu me dit que je suis encore en train de mourir de soif? Oh, attends, y'a un tas d'ordures là. Il est pour moi. Hop là. In my venas. De toute façon, t'as rien vu. De toute façon, toi, tu dépenses l'argent, là. Mec, on a bien compris que c'était pas lui qui devait payer. Peut-être quelque chose pour vous. J'ai cet objet étrange. Les curiosités m'intriguent toujours. Que possédez-vous? Il se trouve que j'aurais besoin d'une personne aventurière et impétueuse. Je crois qu'on dit aventureuse, pas aventurière, mais... Quoique si. Si, les deux se disent. Dites-moi, vous ne reculeriez devant rien pour de l'argent, si. Ouais, je veux bien, ouais. Je cherche un champignon rare, en particulier qui ressemble à un bouclier. Entendu dire qu'il pousse dans le terrier purulent au nord de Tierzo. Tierzo. Vous ne pourrez pas le rater. On pourra pas le rater. Ses caractéristiques principales sont sa taille immense et sa couleur rouge. Vous paierez 70 boulesses. Eh ben, je crois qu'on a notre quête, monsieur. Quelles sont les propriétés de ce champignon? C'est un secret. Ok. Bon, bah ok. Parfait. Hein. Assurez-vous d'avoir une bonne arme, une lanterne et beaucoup de provisions. On nous a filé 2 antidotes, hein. Ah, voilà. Cool. Pourquoi j'ai encore soif? Excuse-moi, faut que je vérifie, là. La soif, c'est où, là? Ah, quand t'es à 69% pour 70% pour lui, t'as soif, quoi. Ouais, non, mais ça va. C'est pas
Bon, je vais aller remplir la gourde. Et puis Bah, elle est vide ? Non, mais elle a... Attends, avant de la remplir, dans ce cas, file-la moi vite teuf, là. Je te prends une gouttelette, là. Comme ça, tu la remplis pas pour rien. Hop, prendre la gourde, hop. Faut vraiment qu'on s'en trouve une deuxième, hein. Ça sera quand même un poil plus pratique, hein. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Voilà, et tu sais quoi, je vais même m'enfiler la dernière. Ah oui, bois tout. Voilà. Ok. Voilà, bon, j'ai pris 3 rasades alors là, hein. Cher rasade, hein. Déposé. Voilà, monsieur. Merci à toi. Je vais juste donc continuer le petit tour en mode nocturne. Ouais, sauf qu'en mode nocturne, on va vraiment que chi, hein. Ouais. Mais j'arrive à trouver le loot. Ouais. J'aurais quand même trouvé des petits arbres avec des gambas dessus. Ça, j'y arrive quand même, ça. J'aimerais réussir à trouver quelqu'un à qui vendre les sacs de... le sac de couchage que j'ai rendu. Le sac de couchage de base? Ouais, j'en ai chopé un dans les catacombes où on est allé. Ah, pas sûr que tu as trouvé. On peut entrer dans la mairie. Ah. Oh, je suis dans la mairie, frère. Eh ben, je te laisse faire, puisque on est toujours dans la même région, donc ça te dérange pas, on peut vrai. Ouais, mais c'est assez libre. Le jeu est assez libre. Mais le maire a l'air d'avoir des horaires. Genre, il est pas là, quoi. Je sais pas quelle heure il est, mais bon, en tout cas, il me laisse fouiller son coffre tranquille. Ça, c'est sympa de sa part. On prend tout. Au calme. Alors, coup en endurance, moins 10%. Mais c'est génial. J'ai vendu un insecte pour 4 pièces d'or. Hein, okay. Oui, le petit insecte vert là. Ouais, le petit insecte vert moche. Oh, mais ils sont trop bien ces vêtements que j'ai là. De jeu bourre que je vais être obligé de retirer pour vendre en fait, mais pour l'instant j'économise mon endu. Alors il s'avérerait que... Ah, c'est une bardiche d'abattage. C'est peut-être pour ça que ça prend un impact 20. Résistance, ok, d'accord. Il me faut la clé de la ville pour accéder au sous-sol de la mairie. Bon, en mairie pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne au phare, on a déjà une journée sur les 4... Les 5 ou les 4? Ah oui, tu veux dire qu'on a déjà une journée dans l'aile, là? Bah ouais. Mais regarde, on a fait déjà plus de la moitié de ce qu'il fallait. En vrai, comment nos ancêtres n'ont pas réussi à se faire de la thune? Ils sont teubés! Bah, je sais pas... Ils avaient peut-être piscine ce jour-là, hein? Ah bah, ils ont eu piscine beaucoup de journées, alors. Bah là on est déjà à 123, sachant que si je tombe sur un marchand, on peut peut-être avec les potions que j'ai grattées, étrange infusion qui retire la plupart des effets négatifs, n'affecte pas les saignements, poison, maladie et brûlure. Ça affecte infusion qui neutralise la majeure partie des poisons. On est à 128 pour être précis si tu veux savoir. J'en ai encore 4. J'ai réussi à me faire 4 PO. Ah! Ouais, je pense que on peut se rendre donner rendez-vous au phare si tu veux, déjà ce qu'on voit que dalle. On se verra à peu près. Est-ce que tu veux jouer avec une dague improvisée? Non, faut la vendre. Je peux pas la vendre. Ah ouais, c'est de la merde. En fait, c'est, je pense que les crafts de base comme ça, c'est comme si tu vendais une table de craft à un villageois dans je suis contente que vous puisse me la donner, mais avec le naufrage. Il vaut mieux que je reste. C'est les crafts que tu connais de base et qui ne sont pas intéressants pour eux. Je pense que c'est cette logique-là. Rissa m'a déjà promis que nous aurions une longue discussion. Je sais. Visez toujours. Mais elle est là, le maire, il est là. Enfin, elle est là. Ouais, je sais. Mais par contre, on peut les vendre notre bâton qui tape les gens. Vos efforts celui-là, là. Ouais, le bâton que j'ai, là. Grand bâton à la con. Il se vend? Ah ouais, donc je veux bien ta merdouille qui se vend pas, ton couteau rouillé. Comme ça, moi, je vais m'équiper uniquement en objets qu'on ne peut pas vendre. C'est une arme secondaire. C'est une arme secondaire. Ouais, bah, c'est pareil, c'est trop bien. TKT. Ça, c'est tellement de la merde. Le mec est tellement équipé comme un clodo. Bah, regarde, en vrai, bon, après, je peux avoir ça et mon couteau, normalement, non? Ah non, il veut pas, parce que c'est vraiment genre... Non, mais le couteau, ça se tient que dans les mains gauches.
Putain, je vais le fumer. Ouais, hein. Vraiment, ce jeu de con. Est-ce que tu veux que je te file ma machette? Tout de suite. Mais non, garde ton stuff. Bah pourquoi je voudrais ton stuff? Parce que comme ça, tu pourrais la vendre. Enfin. Mais attends, pourquoi je suis trop lourd comme ça? C'est la nulle, hein. Eh, attends, je vais aller poser des trucs dans le coffre à l'intérieur. Dans le phare. Oh putain, oui, je suis au bout là. Vraiment. Genre, on n'a pas une cuisine nous là dans le phare là? Si, si, on a une cuisine. Pourquoi? Ouais, parce que bah en fait, on a ramassé beaucoup de merdailloux. Du coup, dans notre merdailloux là, il y a peut-être des trucs qui se cuisinent, mon gars. Viande non de ragoût, ration. Je peux faire des tartines si j'ai. Voilà, je peux faire des confitures de gants, mais. Allez, allez, allez! Voilà, ça c'est fait, mon gars, il n'y a plus. Vas-y. Je demande le peuple. Je fais de la confiture dans tous les sens. Si t'as du pain, tu peux faire de la des tartines. Oui, j'ai pas de pain. Ah, t'as du pain, toi, en fait, c'est ça que t'es en train de me dire. Moi j'ai du pain, ouais. File-moi ton pain, salaud! Ouais, en vrai, d'ailleurs, pour la bouffe, il y en a un seul d'entre nous qui devrait craft. Ouais, comme ça, on aurait tous les crafts des deux. Voilà. Bref, peu importe. Tu me dis si tu veux, toi, porter le craft ou pas, mais vu que toi, t'es habillé visiblement lourdement en guerrier, je pense que je vais sûrement garder les merdouilles. Par contre, je vais te donner ça. Faut que je te dépose, parce que la madame, pour l'histoire du champignon, nous a donné deux antidotes, hein, donc prends-en un. Ouais. Tiens, je t'ai déposé 4 de thunes. Et tiens, monsieur, voici ta part. Menu. Déposer. Tes 3 tartines. Yeah! Merci. 4$. On est à 127. Et en vrai, avec les vêtements que je porte et la lance, je pense qu'on peut les faire. Hein, parce que je porte des petits vêtements nobles hein, qui sont très très bien, monsieur. Hein. Mais je vais les revendre quand même. Hein. Le costume d'ouvrier vert, c'est ça? Non, 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 regarde. Ah oui, d'accord. Non, regarde, regarde, je me mets sous la lumière, là, tu vas voir, regarde. Ah ouais, ils sont jolis, tes vêtements. Piqué dans la mairie. Eh, moins 10% sur le coup d'endurance. Ça fait plaisir ou pas? Ah ouais. Ça fait très plaisir. Mais bon, bah, écoute, ça sera vendu. Si tu veux, je te file ma machette. Comme ça, t'as encore un peu plus. Bah, on verra, mais t'inquiète, bah, on va d'abord aller le voir. Prends-la. Et tu la vends en dernier, comme ça. Bah ouais, mais du coup, t'as quoi comme arme pour taper? J'en ai pas, je vais me chercher du bois et me faire une massue en bois. Ah super. Qu'est-ce que je mange? Je vais manger des rations de voyage. Non, je vais manger une petite confiture. Ah oh, non, la petite confiture. Hein. On peut se retrouver un bout de pain. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Alors, craft, je peux faire des flèches. Ah oui, parce qu'il y a des trucs qui se dégradent. Ah c'est bien, t'as la jauge de dégradation quand même des produits. Bon, bah voilà, j'ai ma petite massue en bois. C'est bon. Ok. On a des lits quelque part, je crois. Hein. Faudrait couler la nuit. Ouais. Attends, bah j'arrive. Hop là. Utiliser un lit. On dort combien de temps? Je sais pas. Bah, je te dirai. Allez. Ouais, t'as raison, on part là 6h. On dort 6h, c'est bien. Moi confirmé. Voilà. Ça, on est un peu reposé. J'aimerais voir si ça fait passer mon empoisonnement, parce que j'ai bu de l'eau de mer, ça a l'air de durer quand même un certain temps pour une gorgée d'eau de mer, l'empoisonnement, quand même. Hein. Le jeu est pas marseillais du tout, ça fait plaisir. Genre, t'as bu la tasse une fois à la mer, t'es resté malade 8 mois. Bon courage, mec. Ouais. Ah, pardon, j'ai pas fait de passe. En fait, les gens qui meurent de noyade, c'est juste parce qu'ils ont fait un grand verre d'eau de mer, en fait. Bon, ça, ils sont morts. C'est ça ce qu'ils appellent une noyade, les mecs. Ok, c'est parti. Let's go. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, les bouts de bois que j'ai jetés. C'est de la merde. Plus 5 à la protection. Oh! Eh ben, tu sais quoi? Dormir dans un lit, c'est rentable. Ça t'a donné plus de protec. Bah, en fait, ça donne plus de protec et moins de coups d'endurance. C'est top à la vachette, ça. Carrément. Bon, bah, je t'invite à aller vendre les trucs, et une fois qu'on a les 150 pièces d'or, et bah... Ouais. Est-ce qu'il y a un système de... Avez-vous besoin de quelque chose? Les ressources quand elles sont... Je sais pas. Alors je vais vendre ça.
Je vais essayer de voir si je peux pêcher des trucs en attendant. Ah, ce qu'il faut que je fasse. Déséquipe-moi de ce truc là. Voilà. Habille-moi avec ça. Voilà. Avez-vous besoin de quelque chose? Eh, 26 dollars la tenue que je vais vendre. Hein. Tu veux mon chapeau chinois aussi? Non, mais ça y est, on les a les 150, mec, 26 balles. Je suis à 162. J'ai même ta machette encore si tu veux. Mais lol! Bah ouais, je veux bien. Du coup, je reste au couteau là, comme un clodo là. Tu veux ma massue? T'as quoi? Ma massue. Ah non, je vais rester au couteau comme un clodo. Cha, 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 cha. Bah, de toute façon, je vais la poser parce que ça me prend de la place pour rien. Putain, ouais, j'ai de ça par terre. Il me reste encore une torche, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu d'une torche là? Ouais, dépose-moi ça là, on a des lanternes, c'est mieux. D'ailleurs, j'ai trop de lanternes, attends, je vais revendre une lanterne. Attends, non, non. Avez-vous besoin de quelque chose? Et on a une compétence, dans tes compétences, t'as une compétence, c'est le lancer de lanterne. Ok, je vais vendre une lanterne. Rien à foutre, t'as cru que j'allais jeter de l'argent sur des gens, toi, t'es fou. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, vraiment, mais toi, t'es le genre de... Toi, t'es le genre de mec, tu lances les grenades que le jeu te donne. Moi, je suis le genre de mec qui vend les grenades que le jeu me donne. Oui, non, mais... Oui. Genre de mec, tu vois, un peu insupportable. Et tu la dague que je t'ai filée, tu peux aussi la lancer, t'as une compétence pour ça. Ce sac à dos ralentit votre esquive. À 50 balles un sac à dos. Je vais juste, sur tout l'argent qu'on a fait, faire une dépense utile, je vais acheter une gourde. Ouais. Vas-y. Je pense qu'on est d'accord. On est ok, tire, vas-y go. Ça coûte combien la bombe? 6 balles. Ah bah oui, carrément, vas-y. Oh, ça coûte quand même son billet, hein, je trouve. Hein. Tu me déplaces en poche. Merci. Et... Ouais. Est-ce qu'on peut affecter un raccourci? Oui. Signer un raccourci. Assigner le raccourci. Voilà. Moi je me suis fait un raccourci pour changer lanterne bouclier, et c'est moi qui vais être un peu plus... Ouais... Moi non, je pense que de toute façon j'ai plus le droit de porter de lanterne en vrai. Je devrais la vendre parce que pour l'instant j'ai pas le droit de porter de lanterne. Oh non, je vais la garder. Vas-y. Quoi qu'attends. Prends la massue au pire. Non mais en fait je me fais chier pour rien. Hein oui, il va se battre à la pioche. Bah oui. Rien et toute ma vie. Ah mais moi ça dans la poche, on sait jamais. Bah écoute. On va aller lui donner les 150 pièces d'or à la grognasse là-bas. Et puis c'est fini. Tout à fait. En une journée. En une journée. Mais en une journée, on a remboursé la tête millénaire de notre famille. C'est ça le respect ou pas? Notre perso, il est teubé en fait. Il a dit, voilà, je vais partir. En fait, la dette, elle aurait été de 1000. Là, j'aurais dit, ah ouais, ça va être tendax. Bah, c'est ça, tu rajoutais un zéro derrière, tu disais, ok. Compliqué. Bon, alors après, on a fait nos crevards. Après, peut-être que dans notre famille, ils ont eu à la payer, ils l'ont payé tranquille, et que là, vu qu'on est le dernier de notre famille, c'est à nous que tombe la charge de raquer les 150 balles et point barre. Et que nous, on était peut-être un blaireau d'adolescent qui passait son cul sur, passait son temps sur le cul sur un banc, quoi. Après, de ce que j'ai compris, il y a 4 mois de retard aussi. C'est peut-être juste que la dette, elle est, on doit la payer tous les mois. Ouais. Bon, de toute façon, il faut aller voir la merde. Merde. C'est pas ça que je cherche. Objet. Attends là, ouais. Lanterne, ok. Touk. Ah non, il faut que je fasse ça et ça. Ok. Donc ça. Ok, ça marche. J'arrive. Mais chargé. Bon, après, on est là en train de dire, ouais, c'était facile. Je suis quand même habillé comme un clodo. Hein. Je suis quand même genre Raptor clochard. Je vais me battre avec une pioche qu'un citoyen quand même m'a laissé chourer en gros sans rien dire. Bon, voilà. Les mecs ont quand même un peu arrondi les angles. Hein. Oh, génial. Comment avance vos efforts? Avez-vous de quoi payer? Voilà. Et dans les... Je vais... Oliel et Izan quittent Sierzo. Voilà, voilà. Oliel part rejoindre la mission divine des lat... Bon sang. Ah ouais, faut que je fasse un nom de m'intéresser au lore. Mais vraiment, ça m'intéresse pas, hein. Roland s'étend... Ceci est inacceptable. Oui, bon sang. Revenez. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'intéresse pas. Parce que tout le monde était prêt à m'égorger pour 150 balles. C'est comme si toi, ton ref te devait 150 euros, tu vois. Et qu'en plus, t'exiges que sa famille te doit 150 euros par tête de bite qui naît, à chaque fois. Et là, d'un seul coup, t'as payé les 150 balles. Ah, c'est quand même triste, y'a machin qui s'en va. Je m'en bats les couilles, frère. On peut mourir, hein. On peut se faire rouler dessus, hein. Je m'en bats les couilles. Le
mec qui se barre, c'est celui qui nous a ramené qui était parti avec nous. M'en bats les couilles. C'est le mec qui m'a foutu dans la merde où j'ai failli mourir là, c'est ça? Ok, d'accord. Pour 150 billets? C'est celui qui t'a fait sortir de la merde, justement. Je sais pas. Objectivement, hein, parce que tu peux raconter ce que tu veux, mais objectivement, le mec, il nous a emmené sur un bateau, il nous a fait trimer, on n'a rien gagné. Hein. On s'est fait juste enculer tout le pognon. Dans l'or, c'est toi qui l'as emmené. Ah, c'est vrai que je l'ai emmené? Ouais. Bon, bah, je crois que je lui dois un peu de billets. Ouais. Et un peu de respect. Moi, j'ai envie de vendre de la boue. En plus, il est italien! Si. J'ai envie de vendre de la boue. Je vais utiliser pour lancer des sorts uniques. Oula, ça a l'air compliqué ça. Viande séchée, je crois qu'elle est encore pas trop mauvais état. On va se piffer ça. La confiture, ça tient bien. Hein. Confiture et ration de voyage, bon deal. Hein, visiblement. Et ça, c'est déjà abîmé. Ah, j'ai 3 briquets. Alors, je sais pas si on gaspille les briquets à chaque fois qu'on allume un feu, mais je pense pas. Hein. Ça me paraît très débilus. Je le pense pas. Mais par contre, le briquet a une durabilité, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais t'en as toi surtout ou pas? J'en ai un et je viens de faire la grosse connerie de l'utiliser et ça ne fait rien. C'est-à-dire? Bah en fait, tu mets du bois, je pense que ça marche comme ça, tu mets du bois, tu utilises ton briquet et pouf, il y a du feu. Mais ça n'a pas tué mon briquet non plus. Ok, est-ce que tu veux pas tâter la vite fait tant que je suis sur le menu de machin? Tu fais un feu de camp, tu le poses quelque part, tu l'allumes? Juste pour voir si je vends des briquets ou pas. Ouais, ouais, ouais. Tu bah, fais attends, ça vite fait? Ouais, ouais, j'ai du bois qui était ici. Hop, tac. De toute façon, on a foutu du bois partout. On a looté comme des vieux crétins, on s'est retrouvé avec 200 bouts de bois là. Eh bah c'est bon, nickel. Ça a une durabilité, oui, non? Non, ça a pas de durabilité, je l'ai utilisé comme ça, non, tranquille. Merci. Bah j'en vends deux, et on en parle plus. Hein? C'est fait. Et tu as un feu de camp en plein milieu de la ville, voilà. Je pourrais même vendre une arme. Et je l'éteindrai pas, je vous emmerde tous. Ouais, et je rentre à ma maison en plus. Ouais. Jusqu'au bout. Et pour la peine, j'abandonne même du bois à 3 pas de là où il est. Et y'a un connard qui va dedans. C'est normal, c'est un connard. Ah, le pathfinding, hein. Ah, le pathfinding. Place-moi ça dans mes poches. Déplace-moi ça dans ma poche. Regarde, et un deuxième. Oui, il passe en plein milieu. Ah non, mais lui, il campe dedans. Hein. Ah, il est en train de se réchauffer un bout de bite, là, l'autre. Je t'annonce que ça. Hein. Allez, viens, on va parler à l'autre connard, là. Ouais, faut lui parler, mais je lui ai déjà causé, moi, non? Enfin, je crois. Non, il faut lui reparler, pas de fils barre, vas-y, parle-lui, c'est ton pote. Ouais, salut Jean-Claude. Je suppose que vous avez en fait. J'aime bien son épée. Ouais, on s'en fout, mec. On s'en fait. Va te faire foutre. Si vous avez le courage d'affronter le désert d'Abrassar, alors, je vous attendrai. Voilà, bon, on peut se tirer maintenant, je crois. Allons vivre de grandes aventures. Alors, allons taper sur des gens. C'est où qu'il fallait qu'on aille? C'était au nord, c'est ça? Eh, hey, dans les commentaires, vous nous direz si on a raté quelque chose d'intéressant, mais je pense pas. Hein. Il vous faut quelque chose? On veut se barrer. Au revoir. Attends, comment tu fais pour me voir? Ah, il vous faut quelque chose? Sors. Vous avez au moins l'essentiel. Je vais vous enseigner une compétence. Oui, si tu veux. Et bon, je pense que je peux vous laisser sortir un tour. Ah, je suis devenu un spécialiste de la Utilisez pioche. La porte pour sortir. Tu crois que je peux lui demander une compétence? Il vous faut oui, quelque vas-y. Chose. J'ai reçu une compétence à la pioche. Oh le bâtard! Ça, c'est le style. C'est nécessite grand chose. Marteau. Ok. Bon, du coup, je suis un spécialiste des grands marteaux. Alors, tu sais quoi? Je viens de me faire griller. Il me faut 50 pièces d'or pour. Pour me avoir une compétence. Combien? La mort. 50 pièces d'or. Enfin, 50 pièces d'argent. Attends, t'es en train de me dire que ce chien m'a siphonné 50 boules? Mais non, tu les avais pas, il te l'a offert gratos. Ah oui, parce que la quête, machin, tout ça, tu t'es fait baiser. Encore. Voilà. Bah oui, je pense que... Je pense que dans l'ensemble, je vais me faire baiser pas mal de fois, là. Donc, c'est un raccourci. Je vais la signer ici.
voilà. Sincèrement, je pense que je vais me faire griller pas mal de fois sur le coup. Il va falloir que je fasse une petite partie tout seul. Ouais, je pense, hein. Rien que pour débloquer les succès, hein. Vous avez ramassé une confiture. Bien joué. Ouais. Super succès avec, hein. Ça te fait envie, hein. C'est ouf. Par contre, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une jauge de magie, mais je sais pas comment obtenir. Faudra peut-être demander. Alors, je sais déjà que c'est plus tard dans le jeu. Ah, d'accord. C'est pas tout de suite. Oui, bah oui, voilà. La magie s'est craquée en même temps. L'aventure à l'extérieur, succès déverrouillé, incroyable, on est des pro-gamers, le jeu vient de dire. Je pense qu'il y a combien de temps qu'il tourne le jeu vidéo là, parce que... Fais les cons, fais les cons, mais... Hey, on a fait une quête centenaire et millénaire. C'est quoi cette énorme montagne là, avec des trucs bizarres? Ah ouais, ça va faire bientôt une heure qu'on est sur le coup là. On va pouvoir dire à YouTube d'aller se rhabiller, quoi. Ouais, on a enfin sorti de la ville, allez, au revoir. Voilà, il va enfin se passer des choses, bah, fin du let's play en fait. Au revoir. Au revoir YouTube, des bisous.